Ok les girls, coucou tout le monde, on va faire une petite péloche. Péloche sur les toits, avec Ayoub, ça fait plaisir, ça fait très plaisir même. Ça fait plaisir d'avoir quelques photos avec Ayoub parce que je vois assez peu Ayoub en ce moment. Donc ça fait plaisir d'avoir, puis même très bon après-midi qu'on a passé ensemble, j'ai kiffé. Je sais qu'en plus Ayoub a des vidéos donc ça fait plaisir. On attend d'ailleurs tes vidéos Ayoub. Enfin, on attend tous. Je reçois tous les jours des messages. Ouais, mais en fait, le mec était la chèvre de YouTube et il s'est arrêté, genre. Il s'est pas arrêté au sommet en plus, il s'est arrêté avant le sommet. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. C'est la 9ème pellicule, quand même. Et quand même, c'est pas beaucoup, tu vois. Qui a dit qu'il y avait une heure pour lancer des vidéos? Je me réveille. Je vais à l'école avec mon sac de Winx. Et alors? Allô? Ah, c'est bon là. Ah, là, c'est bon. Rien, je vais te laisser, c'est rien. Quoi? Je vais te laisser, je fais une vidéo là. Alors, ça c'est ma première photo. Hein? Ça c'est ma première photo. Pas possible, j'ai pas une gueule à faire ça, je fais pas ça. Oh putain, c'est une photo de Serda. C'est ça de laisser son appareil à des gens qui savent pas faire des photos. Alors déjà, Si on veut pas trop critiquer, la photo est pas droite. La mise au point, je pense pas qu'elle était censée être derrière. Je pense qu'elle était plutôt être sur la fleur. Donc du coup, bah ouais, mise au point à l'infini. Ouais, la photo est éclatée au sol. Et puis même si elle était sur la fleur, hein, je veux pas, voilà, mais... Ah, c'est vraiment nul, hein. Ah, c'est vraiment nul. Après, ça du coup... Bah oui, c'était moi. Parce que du coup, il y avait ça en face. Là, bon... Il y a la dame dernière qui me gêne un peu. C'est pas qu'elle gêne, mais bon, elle est quand même là en plein milieu. Elle déborde un tout petit peu sur Serdar, c'est ça qui me gêne surtout. Si elle débordait pas, en vrai, elle ferait partie du décor. En vrai, bon, ça va. Ça va. Je sais que Serdar aimera bien, donc bon. Le bon. Ah, je voulais juste avoir le bon. Juste le bon. C'est le bon marché. Il y a le M qui dépasse. C'est dommage. C'est-à-dire ça là je voulais faire une double expo et je me suis rendu compte que je sais pas faire une double expo sur un M10 parce que je pensais qu'il y avait un bouton en dessous, j'en ai pas vu donc du coup je sais pas faire double expo sur un M10. Je voulais me servir de cette photo pour faire un double expo pour faire le fond. Je parle un peu vite. Du coup je peux pas. Ok, ça. Oh c'est Salomé. Ouais je m'en rappelle, je l'avais prise et je m'étais dit putain je suis en train de chier la photo. Ouais, d'accord, super, elle est éclatée au sol, super. C'est flou ça non? Il y a un problème, j'ai l'impression, dans la photo. Je sais pas, je la trouve très pixelisée par rapport. Je sais pas, peut-être que je me rends pas compte. Est-ce que les autres sont pareils? Non, le grain est différent. Là, le grain est, me paraît très épais. Je sais pas, c'est bizarre. Ok. Peut-être que c'est Ultramax qui fait ça, je sais pas. C'est quoi ça? Ah, c'est Macron. Ah oui, oh, il y a Marine. Ouais, sympa. Ils sont tous de dos, c'est amusant. J'en ai aucun de face. J'ai aucun visage. Ok, ils viraient tous Macron, ils adouvent. La mise au point, ça va? Je dérange personne. Je la trouve marrante. Ouais, je m'en rappelle. On était à Beaugrenelle. Mais c'est bizarre parce que elle est pas censée être là la photo. Sachant que j'en ai pris d'autres avant. Elles sont toutes mélangées en fait les photos. Oui elles sont toutes mélangées. Ça je l'ai prise avant. Ouais c'est pourri. C'était dans un restaurant. Non c'était... Bref. Bon. Bref même pas, on va même pas commenter. C'est pourri, j'aime pas. Ça. Il y a un effet bleu bizarre. Hein. Y a une... enfin, je pense qu'il y a une fuite de lumière là. Parce que c'est bizarre quand même non? Je sais pas pourquoi c'est. Mais pourquoi que sur certaines. Enfin, pourquoi il y aurait une fuite que sur certaines photos? Surtout que le. En fait, non, c'est pas possible. Le boîtier, je le connais, y a pas de fuite. Attends, mais je fais que des photos éclatées, ma parole. Là, la mise au point. Qu'est-ce qui se passe? François? Même, enfin, c'est bizarre, ils feront la moitié de la photo, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi avoir tant fourré une photo? Elle est éclatée, cette photo. Ouais, bon. Non, j'aime bien, ça fera plaisir à You, je pense, mais. Ouais, bon. Non, non, c'est cool. C'est cool.
Moi, j'aime bien. J'ai failli couper le bateau en plus, mais enfin, c'est vous, qu'est-ce qui m'arrive sur cette pellicule? Incroyable ça. Ça, je me rappelle, j'étais impatient. Je voulais apprendre un autre moment, mais j'étais impatient. Bon. Bah, elles sont mélangées, ça m'agace. J'aime pas quand c'est mélangé. Ça, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Il fait une tête un peu bizarre, je crois, on dirait. Non? Je crois qu'il avait, il était pas très serein. Les deux côtés, c'était le vide, hein, donc il y avait de quoi être pas très serein quand même. Voilà. Ça c'est marrant, ça me plaît bien du coup. C'est le. Pour ceux qui reconnaissent, parce que je pense que la plupart vont reconnaître, enfin, ceux qui... Bref, c'est le lycée Molière dans le 16e, et bah c'est là où j'ai fait mon collège, moi. Et on était au-dessus, enfin, on était en face au-dessus. Et ces gens m'ont vu, et donc du coup, ils m'ont fait un petit coucou. Je suis assez content. Juste parce que je les ai, hein, sinon je m'en fous. Rien de très fou dans la photo, quand même. Ça, c'est éclaté au sol, hein. Mais bon, c'est lycée Molière. En vrai, j'aime bien. C'est Ayoub qui l'a faite. En vrai, j'aime bien. C'est marrant, la ligne que fait la cheminée est tellement longue. C'est intéressant. Je fais vraiment des photos, comment dire, très grand angle. Donc, du coup, je trouve ça cool de voir des gens qui en font. Parce que, vu que c'est pas du tout ce que je fais, je trouve ça intéressant. C'est pas une vision que j'utilise, quoi. Ouais, ça, c'était une meuf qui était. On était sur le toit et en face. Voilà. Je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo. Il m'a dit, ok, j'ai pris. Voilà. J'aimais bien le école ralentir. Je le trouvais assez amusant. Ouais, il y a encore une petite fuite bleue, hein. Il n'y a pas sur toutes les photos. Bizarre. Ouais, si, je suis content. Elle est pas très, elle est pas totalement droite, mais content, content. Non, content. Il se détache assez bien du reste. Ouais, c'est cool. Le petit dôme. Les lignes derrière. Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien. Ça me plaît bien, ça. Il montait. Il est droit tendu, le gars. J'aime bien. Rien de. Mais monter sur les toits, de toute façon, avec les copains. Enfin, pareil, une ligne. Ouais, j'aime bien la longueur de l'horizon, je sais pas comment dire. Il y a encore un truc. C'était pas une périmée en plus, celle-là. Comment... Pourquoi il y a des taches? Qui a fait cette photo? Ah, c'est Alba. Bah, je suppose que c'est Alba, vu que j'avais des lunettes. C'est les lunettes de la fille que garde Alba. Tu vois ou pas? Ah, c'était cette pellicule? Ah oui, donc du coup, on est dans le mauvais sens, c'est sûr. Parce que ça, c'était bien avant. J'aime beaucoup. C'est ce que je voulais faire. Donc, je suis content. J'ai pris cette photo, donc. Je me suis dit, ah ouais, là, on tient un truc. Je me rappelle l'avoir fait en plus. Souvent, je fais une photo et je me dis, ah, c'était pas une bonne idée en fait, ça. Ça, c'est Alba qui m'attend, je crois. Je pense que j'en ai une autre d'Alba. Ouais, je voulais en prendre, mais je savais que c'était pas une bonne idée, tu sais. Tu prends une photo, mais tu te dis, t'es pas convaincu de ce que tu vas faire, quoi. C'est Fulvia. Putain, j'ai reconnu son nails, son rouge à lèvres, son. Vernis. Ouais, c'est Fulvia. Je l'aime bien, elle est cool. Elle est cool puisqu'il y en a pas. Est-ce que c'est moi aussi? J'ai l'impression que là il y a une sorte de queue de cheval, donc je pense que c'est moi. Puis la personne est blanche. T-shirt blanc. Ouais, il y a de grandes chances que ce soit moi. Ouais. Je crois que c'est Serdar qui a fait la photo. Je crois qu'il avait pas fait exprès. Hein. C'était pas genre. Je veux pas qu'on lui casse dessus tout le temps son dos. Ouais. Ok, ça ce serait donc la première photo. Ok, ah c'est pas net hein, ça. Hein. Je bougeais pas en plus donc c'est fou de pas réussir à faire une photo net. On fouillait une benne à ordures et on a trouvé ma veste SNCF et d'autres trucs en gros. C'était un... Et là en gros on avait ouvert les placards et tout parce qu'on pensait que tout était acheté. Il se trouve que les placards à droite là c'était des affaires de gens qui travaillaient. Et on l'a compris après avoir ouvert. Le malaise d'avoir ouvert les affaires des gens. On n'a pas ouvert les affaires des gens, mais on a ouvert et. Qu'est-ce qu'on s'est senti mal. Alors, on va faire la petite pellicule d'Ayoub.
Parce que finalement, on est quelques jours plus tard et je l'ai toujours pas faite. Merde, je l'avais déjà regardé. On l'a déjà fait en vidéo en fait. Je suis un fou malade. J'allais filmer la vidéo alors que je l'avais déjà faite. Je suis fasciné. Le pellicule a été fait avec l'OM20, avec un 35-135. Donc c'est un zoom. Et en gros, du coup. Une belle bête en vrai. Ça me... Elle... Je l'aime bien.